soir j'écris, les Céline seront les dernières. J'ai décidé de m'envoler vers un sommeil éternel. Avant de m'éteindre, je voulais vous livrer mon cœur. Sachez que le fait de passer à l'acte ne me fait pas peur. J'ai pris cette décision après avoir mûrement réfléchi toute la nuit. J'ai pesé le pour et le contre, essayé de répondre à un tas de questions. Malheureusement, je n'ai pas trouvé d'autre solution pour rendre plus belle ma vie. Alors oui, j'ai conscience que je vais rendre des gens tristes, que mes parents vont souffrir à la perte de leur fils, que ma famille et mes amis vont se sentir vides, qu'ils vont se dire pourquoi est-il parti si vite. Oui, j'ai conscience de la douleur qu'ils vont ressentir, mais aujourd'hui je sature, il faut vraiment que je me tire. En écrivant, je fais que me dire que je fais le bon choix. Vous savez, parfois, on a des révélations en soi. Et c'est pour s'asseoir que je prends la direction du paradis. Je vais faire le plus beau des voyages, c'est ce que je me dis. Mais avant de partir, je voulais vous dire adieu, vous remercier de tout ce que vous m'avez apporté à deux. Je n'ai manqué de rien, je mangeais toujours à ma faim. Les soirs Noël, j'avais toujours un emballage au pied du sapin. J'ai toujours été gâté, vous n'avez rien à vous reprocher. Ma vie, ce n'est pas vous qui l'avez gâchée. Oui, je l'avoue, j'ai caché le malaise que je ressentais. Vous savez, la solitude est un grave problème de santé. Je me sentais plus à ma place, je me sentais écarté. Comment voulez-vous avancer avec le cœur éclaté? Je n'avais plus la force de continuer ma destinée. La vie est dure, j'avoue l'avoir sous-estimée. Bon temps passé à vos côtés, je vous remercie. Car parfois, je n'ai pas été un très bon fils. J'ai eu une bonne éducation, je faisais pas de vagues. J'ai même hérité du côté animation quand je faisais des tas de blagues. C'est vrai que j'aimais pas l'école, j'avais que des mauvaises notes. Que j'aimais pas les ordres car je kiffais trop la déconne. Aujourd'hui c'est pour celle que je décolle, sans avoir entendu vos conseils sur le danger de la drogue et de l'alcool. Vous ne connaîtrez pas la peur de me savoir ivre au volant, ni le sentiment de vous endormir avec la boule au ventre. Je ne vous ferai pas descendance, je n'ai pas eu le temps. Et ce qui est rageant, c'est que notre nom va s'envoler comme le vent. Comme le vent. Notre nom va s'envoler comme le vent. Papa, maman, j'ai passé 17 balais à vos côtés, à vous écouter. À présent, c'est à vous de le faire, mais s'il vous plaît, soyez pas dégoûtés. Ne m'en voulez pas, je vous dédicace cette dernière page sur laquelle, je l'avoue, quelques larmes ont coulé. Sur laquelle, je l'avoue, quelques larmes ont coulé. Je vais finir simplement en vous disant que je vous aime. Profitez bien de votre vie, on se donne rendez-vous là-haut.